Alléluia. Mais j'ai vu que mon frère, mon fils John, qui a dit Amen plus fort que les autres. Alléluia. Je dis, c'est une soirée d'action de grâce. Waouh, il n'y a que deux, trois personnes ou quoi? Je dis, c'est une soirée d'action de grâce. C'est une nuit d'action de grâce. Ne t'en fais pas, tu vas manger, tu vas bien boire, tu vas danser. On est ici jusqu'à 5 heures. Mais j'aimerais que tu te rends compte de quelque chose de très très important. Nous sommes le 31 décembre 2019, n'est-ce pas? Il est 23h15. Dans quelques temps, on ne parlera plus de l'année 2019, n'est-ce pas? Amen, n'est-ce pas? Alors, cela nous montre que c'est la fin de quelque chose. Alléluia. Cela nous parle que c'est la fin de quelque chose. Donc, pour dire que même si l'année finisse, le jour finisse, toi aussi un jour tu finiras. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un thème très très important. Le thème que je parlerai en quelques minutes, si tu n'es pas attentif, tu risques de rater le bon commencement de ton année 2020. Le thème de ce soir, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Kokende liboso ezali kokomate, malamu musuka ya likambo ke libanderi ya likambo. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si nous ensemblons ce soir, parce qu'il y a eu la fin. Et cette fin nous pousse ou nous stimule, nous donne la force de danser, de se réjouir, de dire waouh, enfin, je suis arrivé. N'est-ce pas? Il y en a qui ont eu le temps de se préparer, d'aller acheter une très très belle robe, d'acheter un beau costume, de faire le cheveu. Parce qu'ils se sont dit, je suis arrivé à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais si tu ne dis pas Amen, donc c'est comme si tu es mort, mais qu'est-ce que tu fais avec nous ici? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, non, mais si tu ne respires pas, laisse-moi te dire, la porte est grandement ouverte. Laisse-nous danser, laisse-nous chanter pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas danser pour le Seigneur, ou tu ne veux pas écouter la parole du Seigneur, ou dire Amen à la parole du Seigneur, tu es un mort vivant. Amen. Parce que la Bible nous dit que tout ce que tu respires, loue l'Éternel. Moi, je sais que je respire. Amen. Alléluia. Amen. Landry, j'espère que tu n'as pas ramené l'oxygène pour me donner l'oxygène. Je respire librement. Donc, pour dire que ma respiration est dans le norme. Amen. Alléluia. Amen. Ma besoin de respirer n'est pas perturbé. Parce que celui qui respire doit se rendre compte si je vis aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ma mère a voulu que je vis, ce n'est pas parce que mon père a voulu que j'ai vu, mais c'est lui qui vit dans les cieux, qui est mon Seigneur et mon Dieu, qui m'a gardé depuis le premier jour de ma vie. C'est lui qui a permis que je sois en vie aujourd'hui. Alléluia. Papa, ce n'est pas parce que tu me regardais ou que tu me faisais des compliments que je suis en vie aujourd'hui. Non, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui tient ma vie entre ses mains. Il a décidé que je sois en vie aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, dans cette année 2019, vaut mieux la fin que son commencement. Laisse-moi te parler en quelques minutes. Tu as commencé peut-être dans la souffrance. Tu avais peut-être perdu un travail, tu étais peut-être déprimé, rien n'allait dans ta vie. Oh, le mari que tu aimais, il était si beau, tout si doux, avec des yeux doux, avec des yeux bleus. À un moment, il t'a délaissé. Alléluia. Tu t'es dit, oh non, je commence à prendre des séropoels, je commence à prendre des antidépresseurs parce que ça ne va plus. Alléluia. Tu t'es dit, oh, la fin m'arrive. Parce que il y avait une histoire qui avait perturbé ta vie. Alléluia. Amen. Et pendant que toi tu pleurais et tu regardais dans ta fenêtre, il y avait d'autres familles qui accompagnaient leurs membres pour les enterrer.
Pendant que toi, tu étais dans ta chambre en train de te lamenter sur ton sort, en disant que ça va pas, j'ai envie de me suicider. Comme tu connais la Bible, tu m'as dit, oh prophète, j'ai envie de me suicider comme Élie. Laisse-moi le faire. Oui, tu connais la Bible. Tu as eu cette envie. Mais pendant que tu avais ces envies-là, il y avait d'autres personnes qui pleuraient, leurs enfants qui étaient malades. D'autres personnes étaient hospitalisées et les médecins le disaient, on ne sait pas si tu vivras. L'opération que nous allons effectuer, nous ne savons pas si ça prendra combien de temps. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des personnes qui étaient hospitalisées. Et que eux, lorsqu'ils ont appelé l'homme de Dieu, ils ont prié pour moi parce que je ne sais pas, je crains. Le risque est tellement élevé que je peur de ne pas me réveiller. Amen. Ce n'était que le début. Alléluia. Amen. Mais tu avais peur lorsque tu faisais des cauchemars. Tu te disais, est-ce que j'arriverai le 31 décembre 2019? Quand tu voyais d'autres personnes, les hommes de Dieu venaient, il y a de la place devant, que Dieu vous bénisse, papa Fijo, un homme humble. Je te bénis. Nous acclamons pour les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Lorsque rien n'allait, tu te disais, ça ne va pas, je perds le moyen. Tu avais peur. Cela m'est arrivé aussi à un moment, je me disais, waouh, je vois des jeunes mourir, je vois des enfants mourir, je vois des vieux mourir, j'ai peur. Je dis, est-ce que 2019 finira? Est-ce que je verrai janvier 2020? Alléluia. Amen. Mais pendant cela, le Seigneur m'a dit, je suis avec toi, je marche avec toi. Alléluia. Amen. Combien parmi nous, ils ont commencé, ils étaient très forts au sport, des grands footballeurs. Ils avaient un talent imaginable, un grand sportif, un grand judoka, du jiu-jitsu champion. On se disait, lui, il finira très bien sa vie. Alléluia. Amen. Il était motivé à faire des choses. Janvier, motivé. Février, motivé. Mars, avril, mai, juin, motivé. Mois de septembre. Alléluia. Amen. Un grand sportif, au mois de septembre, il a tout laissé. Il a tout abandonné. Ce soir, j'aimerais que cette parole souffle à ton oreille. Vaut mieux la fin que son commencement. Combien de personnes, nos jeunes filles se sont mis dans cet espoir de dire, oui, j'ai trouvé la bonne personne. Ils se sont fait des projets, ils ont pris des maisons, ils ont déménagé. Ils ont acheté des lits, des meubles qui coûtaient très très cher en espérant vieillir avec cette personne. Au mois de septembre, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment, le vent est passé dans ta vie, a raflé tout ce que tu pensais posséder, tout ce que tu pensais maîtriser. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, tant que tu ne maîtrises pas le souffle de vie, tu ne sais pas maîtriser la terre. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Tant que tu ne maîtrises pas le souffle de ta vie, tu ne sauras pas maîtriser la terre. Amen. Tu sauras seulement maîtriser la terre si tu marches avec Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi dans Genèse, il a dit, allez, assujettissez, dominez. Amen. Oh, waouh. Alléluia. Amen. Il a dit, dominez. Si tu domines, laisse-moi te dire, en dominant, tu arriveras à la fin. Yes. Parce que lorsque tu domines, personne ne sait te dominer. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement peut être fatal, difficile pour toi, mais je prie pour toi. Pendant que tu es en train de pleurer dans ton cœur parce que la chose ne s'est pas accomplie cette année, ce n'est pas la fin de ta vie. Yes, yes, yes. Non, nous parlons de la fin de l'année 2019. Yes. Mais nous ne parlons pas de la fin de la vie. Yes. Ne perds pas espoir. Yes. Toi sportif, toi qui ne prends pas, toi qui ne se prépare pas pour entrer dans le mariage, laisse-moi te dire, ne perds pas. Espoir. Oh, est-ce qu'il n'y a que deux personnes? Amen. Est-ce qu'il n'y a que deux personnes? Mais laisse-moi te dire, vous savez, la vie et la mort est au pouvoir. Alléluia. Ouais, je sens que mes enfants sont là. Wow. Alléluia. Non, vous savez, lorsque tu déclares les choses et tu dis amen, tu rentres dans ta destinée. Je te dis, vaut mieux la fin d'une chose. Aujourd'hui, c'est la fin de l'an 2019. Mais ce n'est pas la fin de Carlisha. Ce n'est pas la fin de Maman Aimée. Ce n'est pas la fin de Papa Diem. Ce n'est pas la fin de Pasteur Fijo. Alléluia. Ceux qui ont cru que Pasteur Fijo, sa vie se réglera comme ça, ils se sont trompés. Alléluia. Je dis, vous savez, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat.
Alléluia. Quel est le combat que tu es en train de combattre maintenant? Moins de problèmes, tu es en train de... Oh, ça va pas. Moins de problèmes, oh, ça va pas. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu diras ça va pas, l'ennemi se réjouit. À chaque fois que tu déclares ça va pas, l'ennemi dit waouh, j'ai su toucher son cœur. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas toucher le cœur de l'enfant qui croit à l'Éternel, parce que Jésus-Christ demeure dans le cœur. Oh, 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 oh. Toi, tu es qui pour rentrer dans le palais royal? Toi, tu es qui pour aller rentrer ici à l'accueil? Si tu n'as pas le droit de rentrer, tu ne rentreras pas. Toi, ennemi, tu veux rentrer dans ma vie, dans mon cœur? Par quelle autorisation? Alléluia. La souffrance est rentrée dans ta vie. La dépression est rentrée dans ta vie. Le divorce est rentré dans ta vie. La maladie est rentrée dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, vaut mieux la fin que le commencement, il est rentré. La maladie est rentrée. Mais je te dis que la fin aujourd'hui, il quittera tel qu'il est venu. Oh, 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 la Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin et retourneront par sept chemins différents. Alléluia. Oh, le problème aujourd'hui, bien aimé en Jésus-Christ, vous perdez vite espoir. Quand ça ne va pas, tu t'es dit, oh waouh, je connais la Bible. David a prié dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sans me secourir. T'es loin de sans me secourir. J'écris à toi jour et nuit, tu ne me réponds pas. Donc tu es un faux Dieu. Tu es un Dieu miniature. Qui t'a dit qu'un Dieu miniature existait? Le Dieu miniature, c'est celui que tu vois à côté de toi. Ah non, tu crois pas, papa. Dieu miniature. Homme des jours commis. Alléluia. Le Dieu miniature, c'est celui que tu vois à côté de toi. Il peut te mentir. Il peut te donner des espoirs, mais il ne concrétisera jamais. Mais la Bible nous dit, il est ni un fils de l'homme. Il n'y a un homme et un fils de l'homme pour mentir. Et c'est repenti. Laisse-moi te dire, l'Éternel, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit, ses projets, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Alors laisse-moi te dire, pendant que lui parle, lui qui est Alpha, au début, lui qui est Oméga, la fin, lui qui est Emmanuel, le milieu, mais l'Éternel, Alléluia. Non, mais je te dis, lui qui est Alpha, lui qui est Oméga, au milieu il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Mais diable il viendra à vous. Dans le début il est avec moi, la fin il est avec moi, au milieu avec moi. Oh, 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 oh. Laisse-moi te dire, ce n'est que les mangoumbous. Le problème que tu vis aujourd'hui, ce n'est que les mangoungous. Tu sais, c'est quoi les mangoungous? Ce n'est que des petites choses. Petites menaces. Alléluia, c'est ça. Des grimaces. Alléluia. Ce sont que des grimaces. Mais attends, n'aie pas peur. Car celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Pierre, pourquoi tu as peur, Pierre, pendant que le bateau bougeait, pendant que le vent bougeait, pendant qu'il y avait des tribulations, pendant qu'il y avait des insultes, pendant qu'il y avait des pleurs, pourquoi tu croyais que Jésus dormait? Il ne dort pas. Amen. Il ne dort pas. Amen. Pierre pensait qu'ils n'allaient pas arriver au bord. Mais Jésus qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il sait. Évan Jean, ton Dieu il sait. Amen. Donc quand ça dit pas tout là, tu veux stabler qu'ils ont ébioté. Amen. Alléluia. Amen. Mon grand frère, Dieu te connaît. Ne crois pas parce que tu as quitté Verbier jusqu'ici que non, Dieu ne te connaît pas. Que tu es au contrôle, c'est toi qui as conduit. Non, c'est pas toi qui as conduit, c'est les anges qui t'ont conduit jusqu'ici. Alléluia. Maman Mireille, avant que tu sois avec papa, Dieu savait que la fin, ça allait être avec papa. Oh, tu es en train de tourner, de chercher, c'est qui mon mari, prophète, prophétise pour moi, c'est mari. Moi, je peux te dire que c'est le monsieur qui a la garde du midi, mais Dieu sait que le monsieur est au Congo, à Mbandaka. Alléluia. Akoya. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que ses commencements.
Le commencement peut être cruel, mais laisse-moi te dire, si tu invoques le Dieu des armées, le Seigneur des armées, laisse-moi te dire, c'est qu'ils ont cru que tu étais ta femme. Ils diront que non, on s'est trompé, on s'est trompé, parce que son Dieu, la Bible nous dit, mon rédempteur se révélera le dernier. Oh, 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 je parle de dernier jour. Je parle de dernier jour. Toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu as commencé à servir Dieu avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Tous les lundis, tu es à l'église. Le mardi à l'église. Le mercredi à l'église. Le vendredi, n'en parlons pas. Au dernier jour, tu rates le ciel. Au dernier jour, tu rates le ciel. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme ou tu donnes les offrandes, parce que tu écoutes tes parents, que tu hériteras le royaume des cieux. Non. Tu hériteras le royaume des cieux si tu es fidèle à l'Éternel. Amen. Si tu donnes ton cœur à l'Éternel. Amen. Mon fils, Dieu m'envoie vers toi pour te dire. Ah, je sens que l'esprit des prophètes veut commencer. Amen. Tu as une étoile. Amen. Tu as une étoile. Mais c'est qui perturbe ton étoile? Parce que tu es en train de te chercher, tu ne connais pas encore l'identité que tu as. Amen. Ne suis pas tes amis. Tu es plus que tes amis. Amen. Tu as souvent eu l'esprit d'abandon. Tu commences quelque chose, tu n'achemines pas. Mais Dieu veut que c'est 2020 dans tes études. 2020 dans tes études. Les gens te diront qui est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a un lien là comme ça. Il y a une chaîne qui part jusque là, c'est table, la troisième table. Amen. Amen. Ta mère est ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y avait une file qui tirait ta maman, qui te lie entre toi et ta maman. Je te connais pas, on se connaît pas, n'est-ce pas? Mais le Seigneur me dit une chose. Elle prie pour toi. Elle donne des offrandes pour toi. Pour que tu deviennes homme des dieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. À l'âge de 21 ans, Dieu va t'utiliser fortement. Amen. Dieu va t'utiliser fortement. Amen. Et tu feras le bonheur de tes parents. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Seigneur me dit, c'est privé pour la famille. Amen. Mais je prierai pour les parents. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, la fin, ce n'est pas ce que tu vois. La fin, ce n'est pas ce que tu vois. Amen. Maman, la fin, ce n'est pas ce que tu vois. Augmente ta foi. Augmente ta foi. Waouh. J'attends dans mes oreilles, servant de Dieu. Alléluia. J'aimerais juste parler à une personne, parce que dans 5 minutes, on va prier. À minuit, j'aimerais que vous commenciez à manger. Alléluia. Amen. Tu as cru que l'année 2019, vu qu'elle était mal commencée, tu as perdu un enfant, tu as perdu quelqu'un, que ça, le 2020 commencera comme ça. Non. Je prophétise sur toi. C'est la fin de toutes les choses. Amen. Tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Monique, je te parle. Ici. Waouh. Le Seigneur me montre 3 mariages l'année prochaine. Écoute, non, ils vont dire que oui, les prophètes parlent le mariage parce que les femmes aiment le mariage. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, lorsque le Seigneur montre le mariage, ça veut dire que l'esprit du célibat tombe. Amen. Toute femme n'est pas appelée à se marier. Pourquoi? Parce que toute femme n'a pas le comportement de la femme qui trouve, la femme trouve le bonheur. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de galérer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore devenus la femme qui ramènera l'homme dans sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Pour ramener l'homme dans sa destinée, toi-même, tu es déjà dans ta destinée. Amen.
Alléluia. Amen. Si je prends l'avion pour aller en Afrique, toi tu vas aller à Paris, on ne marchera pas dans la même direction. Donc tu n'as pas ma destinée. Alléluia. Tu n'as pas été choisi pour la personne qui va au Congo. Mais laisse-moi te dire, la fin, que tu trouves la personne qui va dans la même direction que toi. Amen. Alléluia. Amen. Maman Régine, qui amène, on a assez. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Galates, dans le livre des Galates, la Bible nous parle. Alléluia. Galates 3, 1 à 5. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit. Et par la prédication de la foi, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc pas les œuvres de la loi? Ou par les prédications de la foi? Alléluia. Amen. Là c'est Paul qui est en train de parler. Mais le problème c'est quoi? En Galates, ils ont bien commencé, mais la fin était cruciale. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand vous commencez quelque chose, tu commences à servir l'Éternel. Aujourd'hui, le 31, tu es à l'église. Le 5 janvier, tu seras où? Le 7 septembre, où seras-tu? Le 24 novembre, où seras-tu? N'allez pas dans les églises parce que c'est la fin où je me protège. N'allez pas prier, faire des jeûnes de 21 jours pour te protéger de la mort. Que tu veilles ou pas, tu mourras. Mais le plus important, que tu meurs en Jésus-Christ. Voici la fin que je vais te parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu vivras jusqu'à 90 ans que la mort t'obéira. La mort n'obéit personne si ce n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais je te dis une seule chose pour finir ma prédication de ce soir. Vaut mieux la fin d'une chose. La fin, Jésus veut que tu gardes la foi. La fin, Jésus, que tu restes fidèle à lui. La fin, ce n'est pas ton diplôme. Même si tu deviens médecin, chirurgien, tu es plus belle. La Miss France, la Miss Belgique, Miss Éthiopie, Miss Angola, tu resteras sur la terre, tu retourneras sur la terre. Mais laisse-moi te dire, si tu deviens Miss de l'Éternel, Amen. L'Éternel dira, voici mon fils bien-aimé. Amen. Voici ma fille bien-aimée, Amen. À qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Amen. Pour gagner ce combat, tu as besoin de l'amour de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, si tu marches avec l'Éternel dans cette année 2020, le mal t'arrivera, le problème t'arrivera, mais tu ne tomberas point. Amen. Tu ne tomberas point. Amen. Tu ne tomberas point. Ta fin sera plus grande. Ta fin sera glorieuse parce que tu marches avec l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi je dis que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu verras la rétribution de tes ennemis. Laisse-moi prophétiser sur toi que tu vois la rétribution de tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Je pars que les fibres qui sont dans tes entrailles, que cela tombe maintenant au nom de Jésus. La dépression, le souci, l'esprit de divorce, l'esprit de... Tu t'enfermes dans ta chambre, tu pleures, je suis seul, pas de mari, pas de femme. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi que cette dépression quitte maintenant au nom de Jésus. Tu te crois toute belle, mais laisse-moi te dire, demain tu peux ne pas se réveiller. La fin peut finir mal. Tu t'enguerris quand tu viens à l'église. On prêche la parole de Dieu. Tu es en train de dire, ouais, c'est la même chose. Laisse-moi te dire, tu crois que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque Dieu frappe à ton cœur, il ne frappera pas avec différents mots. Il frappera juste avec un seul mot. La même phrase, ouvre ton cœur. Pourquoi? Parce que la finalité, il faut que tu sièges à la droite du Père. La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, lui il désire que le prostitué ne meure pas prostitué. Il désire que ceux qui sont ivrognes, qui ne meurent pas ivrognes. Il désire que ceux qui sortent dans le vol ne restent pas voleurs, mais qu'ils se répandent, qu'ils reçoivent Jésus-Christ. La fin, c'est ça.
L'appel, ce n'est pas que tu restes escroc, que tu restes impudique, que tu restes voleur, mais que tu reçois Jésus-Christ. L'appel, c'est ça. Ne crois pas parce que tu as déjà tout acheté, même si tu as acheté un château, je ne sais pas où, en Suisse. Tu as toutes les montres qu'il faut. Quand tu parles français, tu parles mieux que tout le monde. Quand tu marches mieux que toutes les dames. Tu n'es qu'une poussière. La fin, ça sera comment? On te laissera sur la terre. Et les personnes qui t'acclamaient lorsque tu marchais, ils diront qu'elle est déjà partie, on peut faire la fête. Pour Loulou, on n'a même pas encore enterré, mais ses amis sont en train de fêter. Alléluia. Amen. Par là, j'ai compris. Même si les jours que je partirai, vous, l'église, on vous invitera dans les fêtes, vous serez, ah, toi, c'est plus toi, mais là. Pourquoi? Parce que l'amour a déjà quitté nos vies. Il n'y a plus d'amour dans ce monde. Alléluia. Si déjà maintenant, il n'y a plus l'amour, et la fin sera comment? On commencera à se manger en étant vivant. Alléluia. Voilà, c'est la fin de moi aujourd'hui. Elle est tellement... Oh Seigneur. Alléluia. Il y a du poison dans les églises. Il y a la méchanceté dans les églises. Il y a les disputes dans les églises. Il y a les guerres dans les églises. Il y a le surmoi dans les églises. La fin, ça s'annonce mal. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, vous verrez ces choses. Ça sera la fin, mais ça ne sera pas la fin. L'homme commence à se marier avec un homme. Les hommes parmi les hommes, les dames parmi les dames. Aujourd'hui, nos enfants, on commence à les prêcher. On commence à les enseigner, plutôt, excusez-moi. On commence à les enseigner la sexologie, le sexe dans les écoles. Alléluia. La fin est proche. Jésus revient bientôt, bien-aimant Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, bien-aimant Jésus-Christ. Tu me regardes, je te dis que Jésus revient bientôt, bien-aimant Jésus-Christ. Parce que le mal, il n'y a plus rien à cacher. Lorsque j'étais petit, on ne pouvait même pas regarder des films où les grandes personnes s'embrassaient. On fermait les yeux. Mais aujourd'hui, nos enfants le regardent sans qu'on le sache. Alléluia. Dans l'air portable, il n'y a plus rien qui est caché. On les propose même de cliquer pour aller voir cela. Laisse-moi te dire, ta fin sera comment? Parce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, maman. Amen. Le bon combat, c'est de garder Jésus-Christ. Amen. Comme Seigneur, comme mon Seigneur dans ta vie. Amen. Je prie pour toi 2020, soit une année où tu vas comprendre la parole. Amen. Où tu vas marcher avec la parole. Où tu vas fuir l'impudicité, où tu vas fuir la méchanceté, où tu vas fuir toutes les mauvaises choses qui suivent ton âme. Voilà pourquoi Dieu a rappelé le peuple d'Israël. Souviens-toi, je t'ai donné la manne que tu ne connaissais pas. C'était la fin d'une chose. Amen. Au début, ils ont cru que non, la mer rouge allait se fermer contre eux. Mais la fin, c'était que vous rentrez dans la terre promise. Amen. Maintenant, entre dans ta terre promise. Amen. Je t'ai dit que 2020 soit ta terre promise au nom de Jésus. Non, 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 je dis que 2020 soit ton année de succès, soit ton année de faveur, soit ton année d'abondance. Que l'argent devienne ton esclave, que la paix toque à ta porte, que la paix t'accompagne. Car la Bible nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Jusqu'à. Oh 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 oh. Je parle de la fin. Il a dit jusqu'à. Jusqu'à la fin de mes. Jusqu'à la fin de tes jours. Je t'invite de rester dans la maison de l'Éternel. Sers le Seigneur. Limi saba oba inakio. Limi saba oba salakomabe. Soumets-toi pour la vie. Que tu aies de succès, que tu sois forte, que tu règnes, que tu domines, au nom de Jésus, le sang 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 de Jésus, le
Amen. Il y a encore des bien-aimés